Ouais, on recommence complètement. En fait, là, j'ai un. Je reprends tout depuis le début. Je suis allé chercher comment créer une radio sur Internet. Et donc, je suis tombé sur une formule, un site professionnel qui a, ça a l'air sérieux, c'est bien fait techniquement, ça a l'air d'être nickel. Et donc, il y a trois types de forfaits. Le premier, c'est donc c'est en fonction du, c'est limité en fait. Donc voilà, votre radio 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, votre radio diffuse sans interruption. Donc c'est un peu ça que je cherche. Et en fait, c'est la durée d'écoute totale des utilisateurs. Donc j'ai fait le calcul, 20 000 heures, c'est si je prends 720 heures dans un mois, 30 fois 24. Ça fait 27 personnes connectées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans interruption. Voilà. Donc pour commencer, je me suis dit, voilà, 19 euros, 24 euros par mois. Sinon, là, ça fait 200 heures et là-bas, c'est 700 heures. Donc je faisais la remarque que, voilà, sur Internet, il n'est pas libre. Quand je dis, voilà, ça, les GAFAM s'attaquent à la liberté sur Internet, on creuse un petit peu. C'est vrai qu'on ne peut pas lancer une radio qui pourrait éventuellement avoir 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions de voilà, à l'échelle d'une nation, quoi, en fait. Et c'est pas accessible, même avec de l'argent. J'imagine, je ne sais pas, en fait. C'est une question que je soulève. Bon, j'étais sur une autre page aussi, comment faire sa radio. Voilà, créer sa propre radio, mais radio à l'ancienne, quoi. Donc là c'est dans la nature, c'est analogique, donc voilà, avec l'ampli et tout ça. Donc là, pareil, c'est très réglementé. Mais par contre, c'est donc que ce soit dans le virtuel ou dans le réel, donc voilà, une relation d'espace-temps ambiguë, contradictoire, opposée, complémentaire, il y a un truc. C'est-à-dire que ce soit autant les émissions radio FM que sur Internet. Bon, c'est très contrôlé, c'est très. Alors que techniquement, rien ne nous empêche de faire chacun sa propre radio dans son petit bled ou plusieurs. Enfin, la CB, tout le monde connaît. Et puis, de courte portée, quoi, hein, pas besoin d'aller loin. Et puis, pareil, aujourd'hui, la fibre, bon, il y a quand même des gros outils qui permettent de. Ou en pair-to-pair, je ne sais pas, il doit y avoir des systèmes quand même. Donc voilà, c'est bon, on sent qu'il y a du contrôle et ouais, surtout pour l'argent, quoi. Hein, start pro, business, voilà. Le souci, il est surtout marchand. Marchandise, l'espace. Voilà, l'espace-temps. C'est une petite. Mais en même temps, voilà, bon, là, concrètement, moi, bon, je suis comme vous, hein, je suis dans la réalité sociale, hein, concrète. Donc, du coup, je me dis, bon, je peux prendre un abonnement parce que j'avais un abonnement SoundCloud, il arrivait à terme. Donc, à ce moment-là, j'arrête l'abonnement SoundCloud et. En attendant un petit peu, comme c'est pour pas que ça me fasse un trop gros trou dans mon tout petit budget. Et je commence avec 24 euros par mois. Vu que je payais 10-11 euros pour SoundCloud, c'est comme si je le payais 15 euros par mois, quoi, voilà. C'est pas non plus on a à boire. C'est avec ce que je fume en cannabis, voilà. Après, il y a un peu de stockage, donc je sais pas si je pourrais mettre des clips ou quoi. Parce qu'apparemment, il parle un peu de la télé aussi. Complet, radio, non, c'est que radio. Hein. Enfin, en tout cas, j'ai de la musique à partager, il n'y a pas de souci. Et puis, nombre d'auditeurs, donc illimité. Et puis, un flux d'écoute, bon, voilà, MP3 classique, 128 kilobits. Donc, moi, je me fous du monde d'auditeurs, même si je suis tout seul. Mon but, c'est d'avancer, de m'éclater, de me faire plaisir, de progresser. Et de profiter finalement d'une faiblesse, c'est-à-dire que je suis en situation de stress, comme on m'a mis la pression encore et on continue à jouer sur ma sensibilité. Donc du coup, j'essaye d'en faire un moteur plutôt qu'une peur, justement, tiens, ma rapide, un jeune qui posait ses questions par rapport à ses peurs. Parce qu'il est récupéré, ça, hein, il est du Bénin, et on voit qu'il y a la pensée du management à l'américaine qui vient, le pied dans la porte, quoi, la spirale de l'engagement, c'est leur technique d'infiltration, voilà, des réseaux. Il y a Facebook, puis derrière, il y a toute cette idéologie-là. Donc, voilà.
Je lui disais, ouais, les peurs, bah, ça dépend en fait de l'espace-temps. Je lui ai laissé un petit commentaire tout à l'heure. Voilà, on peut avoir peur quand on est jeune, on a peur un peu, on a peur du noir. Après, on a peur en fonction de notre espace-temps, quoi. Après, on a peur de l'échec scolaire quand on a l'école. Après, on a peur d'une femme quand il faut se marier. On a peur après de quand on vieillit. On a peur du vieillissement, de la maladie, de la mort, quoi. Et à la fin, j'ai fini, on a peur du Covid, voilà, parce que c'est ça, on joue là-dessus, quoi. Donc, pourquoi je mets un miroir là depuis un jour ou deux? C'est vrai que on reproduit encore et encore, c'est la boîte à photons d'Einstein, hein, c'est une société très narcissique. Et ils ont fait venir une personne qui s'est présentée comme psychanalyste. S'en est servi pour purger l'équipe. A donné tous les témoignages à la direction qui s'en est servi pour purger l'équipe. Ah ouais. Voilà, la psychologisation, les connivences, les accointances qu'il peut y avoir avec la psychologie et le management, c'est bien sûr c'est problématique. C'est quoi? C'est Ruffin. Bon, après, voilà, c'est de la polémique. C'est ça la démagogie, quoi. Donc, ça nous fait perdre du temps et puis on est en surface et on n'est pas dans l'essentiel. Donc, on n'est pas dans l'essentiel. Sur Facebook. Donc du coup j'essaye de faire une radio. Je me dis bon voilà, un flux continu 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec de la musique. D'ailleurs je me mets de la musique, un truc un peu plus. Parce que j'ai remarqué quand je me réécoute, tiens c'est le jingle ça. C'est la cour de gamme de guitare pour les guitaristes. C'est notre jingle. Gamme majeure, backing track en somme. Et non mais histoire de en fait favoriser la créativité, la diversité. Voilà, parce que si c'est vraiment une nouvelle science que j'ai mis à jour, il y a tellement à développer derrière que je me dis qu'il faut un outil qui soit beaucoup plus fluide et plus voilà, c'est ce que j'ai écrit à la radio, c'est chercher quelque chose de plus fluide et interactif, quoi. C'est-à-dire une télé en fait qui appartient un peu, enfin qui permet de reprendre le thème de la télé des années 80, la télé classique qu'on avait, mais adapté à Internet, quoi. C'est-à-dire qu'on soit tous connectés, comme sur TF1 à l'époque, voilà, il y avait 3-4 chaînes, hein, donc on regardait tous les mêmes chaînes de télé. Et qu'on puisse retrouver ça au niveau du territoire, donc d'un espace-temps, alors que ce soit au niveau, je sais pas, département, région, mais plutôt la nation, pour commencer, voilà, retrouver une télé, une vraie télé nationale. Et si on veut refaire une république, enfin refonder, enfin moi, la république. Je l'attends encore, la responsabilité publique. Hein, quand je... Enfin bon. Simplement, une radio, ça rendrait le. Déjà, ça m'éviterait à chaque fois avec une caméra. Elle sert à rien. Franchement, elle sert à rien, la caméra. Voilà. Et à la rigueur, si je veux faire des vrais reportages, des montages, là, à ce moment-là, je m'appliquerai, je les mettrai sur YouTube et je ferai quelque chose de plus correct. Mais avec une radio en direct, qui tourne. Ça me permettrait de peut-être de fluidifier donc mon travail et de l'insérer dans une dynamique. Et ça correspond peut-être plus justement à la découverte axiomatique de A égale A prime, quoi, du principe d'identité de Leibniz, dans les mathématiques elles-mêmes, de pas essayer de fixer la vérité à un endroit précis, mais vraiment de la fluidifier, de la mettre dans le fondement du mouvement. On the move, c'est un peu c'est le slogan des. Donc, de John Africa, il avait une pensée superbe. J'aimerais bien revenir dessus aussi. À l'occasion, on y reviendra. Voilà, c'est pour ça qu'une radio, en fait, ça permettrait de vraiment aborder plusieurs thèmes. Et puis faire peut-être pour faire des interviews, ça peut être plus pratique. Aussi, ça prend moins de bande passante la radio et ça me rappelle du trio un peu et puis voilà et puis histoire de rendre la chose aussi un peu moins austère un peu moins on en a suffisamment de l'austérité aujourd'hui donc remettre de la couleur un peu dans tout ça parce que c'est triste hein. Voilà. Okay,